Allez, on va appeler Olivia, Isaiah. Allez. Alors, tu viens. Allez, on y va. Venez là. Depuis 2 ans, François vient dans cette crèche tous les 15 jours pour animer un atelier de Qigong. Voilà, on y va. Bonjour. Voilà. Allez, on frotte les mains. Basée sur la respiration et la maîtrise des énergies, cette gymnastique traditionnelle chinoise est ici adaptée aux tout petits. Colle les mains. Redescend tout doucement. Toute la pratique s'inspire des fondamentaux du Qigong, hein, la détente, le relâchement, la respiration, l'attention, à travers des exercices ludiques, des exercices de concentration, d'écoute, de calme, qui permettent à l'enfant donc de se découvrir dans des aspects qui ne sont pas souvent visités dans les activités que l'on propose aux enfants. Je soulève jusqu'à hauteur de poitrine ici. Et là, je fais sonner la cloche. Et là, je lève les bras. Levez les bras. Voilà, on lève les bras très haut, très haut. Pour l'enfant, il s'agit de repérer le moment où il rentre dans sa concentration et à ce moment-là, travailler avec lui, être avec lui, en présence avec lui à ce moment-là. Et on redescend. Redescend. Regarde ta cloche, regarde ta cloche. Voilà. Et même si ça dure 10 secondes, ces 10 secondes peuvent être beaucoup plus efficaces que 20 minutes voilà, où on va travailler au forcing, voilà. Le forcer dans le calme, le forcer dans... Voilà, parce que l'enfant n'est pas encore dans cet apprentissage-là. Fais monter le doudou, voilà, très bien. Plus doucement, voilà. Bien. Travailler sur leur souffle permet aux enfants de prendre conscience de leur corps. Vas-y. Sur le long terme, voilà. Les encadrants ont pu remarquer de nets progrès. Crème, il arrive. On le voit, il y a des enfants qui peuvent être un peu nerveux, qui sont un peu moins. La concentration est un petit peu plus grande et surtout au niveau motricité, on voit des enfants qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec leur corps et qui du coup font des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu le Qigong. Grâce au Qigong, les enfants apprennent à canaliser leur énergie, une méthode douce pour éveiller leur corps et leur esprit.